inventé ça, mais comme j'ai entendu, ça, je ne veux pas dire que tu as inventé. Mais les cancers que tu as, on dit quelqu'un qui a cancer d'anus ne peut même pas s'asseoir. Hein? On dit que quelqu'un qui a cancer du devant ne peut même pas s'asseoir. Ma soeur, même si je monte sur ton palais, tu dis tu as maladie, c'est moi, je pleure, mais je pleure devant toi. Pour te calmer, tu as oublié dans ce pays. Hein? Mais je pense que quand les gens montent pour te calmer, maintenant ça te monte encore les nerfs. Ça te monte encore les nerfs, ma soeur. Ça te monte encore les nerfs quand les gens montent comme ça. Hein, ma soeur, tu me vois faire des lives comme ça. Mais je suis dépassée. Je suis dépassée de tout ce que ton monsieur m'a raconté. Que si je veux que lui va me montrer tous ses papiers de l'hôpital. Je ne l'ai même pas enregistré. Mais là, tu dis dans ton live que non, les blogueurs, je suis blogueuse. Je ne suis pas blogueuse. Je suis venue sur TikTok pour m'amuser, publier mes vidéos avec mes abonnés. Hein, et donner mes petits conseils. Flora, toi et moi, on a presque le même âge. Je suis blogueuse. Que non, tu ne connais pas les blogueuses. Les blogueuses vont t'appeler pour t'enregistrer. Je vais aller enregistrer un vieux qui m'appelle pour me confier sa vie privée. Pourquoi? Pourquoi je vais enregistrer ton mari? Hein? Je ne l'ai pas enregistré. La petite partie que j'ai mis pour que les gens sachent que maintenant je suis au courant de la vérité. Le monsieur n'a pas la maladie parce qu'il m'a dit si je veux d'allumer caméra, qui va me montrer tous ces documents que tu n'es au courant de rien parce que, Flora, je ne veux pas parler. Ce que le monsieur a dit aujourd'hui, j'ai honte. Même sa chambre-là, hein, il cache des choses à cause de toi. Ma soeur, j'ai honte. J'ai honte. Je ne veux pas te mettre à la verdure populaire. Hein? Je ne veux pas te mettre, je ne peux jamais te mettre à la verdure populaire. D'accord? Donc c'est pour ça. Pour le reste, là, je me calme, je ne dis rien. Même les audios que j'ai, je n'envoie à personne. Tu as compris? Je t'ai bloqué. Aujourd'hui, c'est ma dernière vidéo. Aujourd'hui, direct sur toi. Et ma dernière vidéo que j'ai publiée hier. Mais comme tu es en train de, tu crois que tes abonnés t'aiment là? Les abonnés sont partout. Les abonnés sont partout, ma soeur. Ce que ton monsieur a dit, hein? Quand il t'a appelé en live aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas mis ça sur haut-parleur? Tu as tes haut-parleurs. Même audio que tu dis que tu envoies, c'est audio semblant, ma soeur. Parce que le monsieur qui m'a informé était à côté de ton mari aujourd'hui. Les gens qui sont là-bas aussi m'informent, ils me bossent. C'est audio semblant, tu envoies, tu criais. Les gens te voient comme un dessin animé, quoi. Tu es devenu télévision. Ma soeur, tu es devenu télévision. Si tout le monde pouvait se lever et te parler des maladies qu'ils ont sur cette terre, tu vas fuir, Flora. Ma soeur, tu vas fuir, je t'en supplie. Je ne vais jamais monter sur l'air pour t'insulter. Pourtant, je te défends, on me fait descendre. On m'insulte que je suis hypocrite. Hein? Tu veux que tout le monde, tout TikTok te dit la maladie qu'ils ont. Ceux qui montent sur toi, là, tu sais combien de cancers ils ont. Les femmes qui montent. Non, mais, Awawa Nicolo, ma grande soeur. Hein? Toi, Flora est malade, tu vas venir dire dans ton live de remuer les fesses, ma soeur. Hein? Ma petite soeur chérie, ma petite soeur chérie, ah ouais, ouais. Je suis ton abonné depuis 4 ans sur Facebook, ma soeur. Hein? Il y a des vérités, mais on ne peut pas tout dire. Hein? Non, je suis en train de faire la dépression chronique. Je dis ça ici, que Flora est en train de faire la dépression chronique. Je suis la seule qui fait des vidéos pour la soutenir. Mais j'étais dépassé par les audios, la voix de monsieur. Le monsieur est un homme calme. Hein? Le monsieur est un homme calme, ma soeur. Donc, ne crois pas que j'ai enregistré ton nom. Je ne l'ai pas enregistré. C'est des audios d'amour que tu lui envoyais. Des trucs que tu lui envoyais. Jusqu'à tu lui as dit que si elle ne te marie pas, hein, que toi, tu vas la vipatiliser. Tu veux que je joue un peu? Tu veux que je joue un peu ici? Hein? Tout le monde t'insulte. Je suis Jetta, insulté propre. T'insulte partout que tu es une monteuse. Je monte, je les insulte, on me descend. On peut faire ça? Ma soeur, on peut faire ça? On peut faire ça. Je suis dépassé. On salit tous nos hommes. Hein. Quand nos hommes se promènent, nous donnent les gourmets, on ment, on les insulte. Mais on va mentir que quelqu'un a la maladie d'Assi, c'est fort. Ma soeur, tu as fait fort. Le monsieur n'a pas ça. Que personne ne vienne te dire, est-ce que le monsieur t'a monté les preuves? Est-ce que le monsieur, vos messages, je m'en fous de ça. Vous êtes en train de mentir. Et Flora, parce que Flora, je ne sais pas comment nous annoncer ça, qu'elle est obligée de mettre ça sur quelqu'un. Sinon, toi-même, tu es femme. Tu ne vis pas tout le temps avec le monsieur. Mais tu peux faire ta chose en cachette ailleurs. Hein? Disons-nous des vérités. Hein? En bas, là, ça ne mange pas du riz, ça ne mange pas la pâte. Hein? En bas, là, ne mange pas les pommes de terre. C'est Bangala, ça va prendre. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, les amis. Tapotez, s'il vous plaît. Hein? Tapotez, s'il vous plaît. Hein? Maman, tu veux me parler? Maman Fleur qui est montée, tu veux me parler? Allô? Hein? Tapotez, s'il vous plaît. Yo, j'ai eu des vérités. J'ai eu plein de vérités, ma soeur. Mais quand tu veux toujours te donner raison, tu veux toujours montrer que non, il ment. Tu veux toujours que, il fait si, ah, le monsieur est calme. Hein? Les hommes calmes, on sait qu'ils donnent gourmet. Moi-même, le dernier homme qui m'a donné gourmet, là, c'est un homme calme. Mais il m'a fait ça tranquillement, légèrement, comme s'il ne connaît pas mes parents, comme s'il n'est pas allé voir mes parents. Mais je me suis tué calmement, parce que quand tu es une femme, tu rates ton premier foyer, tu vas tomber sur tout. C'est pour ça que je dis aux jeunes filles, si choisissez, sachez choisir vos premiers hommes. Parce que si un homme, ton premier homme, tu te sépares avec lui,
Hein? C'est fini, tu vas rencontrer tout sur ta route. Flora, nous toutes les femmes ont de goumets. Mais pourquoi? Parce que ton ancien social a déclaré en même temps que non, et pour ta maladie de VIH, en même temps, tu nous expliques que oui, effectivement, tu as ça, et en même temps, tu trouves celui qui t'a donné. Ceux qui te supportent là, ne voient pas que le truc est trop collé-collé. Hein? Hein? Vous ne voyez pas que le truc est trop collé-collé, ma soeur. Hein? Et je t'ai défendu aujourd'hui. Tu veux être méchante pour dire aux gens que non, mon truc et ma dernière vidéo de signaler parce que je t'ai dit que non, le monsieur m'a contacté et j'ai joué un peu de son audio. Pour dire que non, que lui n'a pas la maladie, que tu lui as demandé pardon. Que tu veux reprendre avec lui, le monsieur a dit non. Les gens écrivent ça dans les commentaires que tu as goumé. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je supprime même certaines insultes de toi. Dans les commentaires, je supprime beaucoup parce que quand je me connais comme ça, tu vas avoir 50 commentaires. Cette fille, elle est menteuse. Cette fille, elle doit. Cette fille, elle fait ci. Flora, je n'ai pas mis mot. Je n'ai pas mis mot. Un monsieur a dit que non, c'est adultère et fornication qui donne cette maladie. Va voir la vidéo que j'ai fait pour répondre à ce monsieur-là. J'ai répondu à ce monsieur avec une vidéo de comédie d'insultes. Pourquoi je te protège? Et la vérité est là. Je suis venu dire ça dans une vidéo. Tu envoies les gens pour signaler. Mais d'autres ont déjà enregistré ces parties. J'ai mis ça en privé. Mais j'ai laissé une petite vidéo tout à l'heure pour te dire que tu fais la méchanceté avec moi. Pourtant, c'est moi qui t'ai défendu. Tu comprends? Je ne cherche pas de yeux, je ne cherche pas de vue. Mes abonnés, chaque jour, je me réveille, eux-mêmes s'abonnent à moi parce que je fais mes comédies. Je donne les astuces, je les fais rire. Je dis des vérités. Je ne me suis jamais levé pour défendre quelqu'un sur ma page et un jour, on m'appelle pour dire le contraire. Ma soeur, hein? Tu es la première. On cherche jusqu'on me contacte. Quand ton mari m'a contacté, j'ai eu peur. Ton mari me contacte avec un de mes abonnés pour dire que oui, c'est le mari de Flora. Que tu es là, qu'il est là pour démentir. Que si je vais de faire appel vidéo, hein? Que de faire appel vidéo et que lui, il va me montrer cette test de dépistage, ma soeur. Même s'il a ça. Même s'il a ça, moi, mais je t'ai défendu, tu n'as pas le droit de venir dire non, qu'il a ça, il a ça, on va te déposer au Niouf. Et maintenant, quand le monsieur va te déposer au Niouf, maintenant, tout le monde va l'accuser qui t'a tué. Tapotez, s'il vous plaît. Hein? Ma soeur, tapotez, s'il vous plaît. Hein? Tapotez, s'il vous plaît. Les gens se moquent de moi. Sur ma page, les gens disent, c'est bien fait de moi, c'est bien fait pour moi. Quand j'ai posé la vidéo que tu as dit d'aller signaler, tout le monde m'a dit que c'est bien fait pour toi. Tu la défends, tu n'as encore rien vu. Les gens se sont moqués de moi. Mais là, je suis venu expliquer que c'est ton mari qui a cherché à me contacter parce que je te défends trop. On lui a envoyé mes vidéos. Et là où je l'ai, la partie où je l'ai insulté, que le monsieur est méchant. Avec tout ce que tout le monde a insulté, il est venu, il a vu tout. Mais il n'aime, c'est des gens qui sont calmes. Même ta belle-sœur, sa sœur, tout le monde dans sa famille n'aime pas les réseaux sociaux. Je l'ai demandé pourquoi, comme c'est faux que lui n'a pas la maladie, pourquoi sa famille n'est pas sortie pour venir défendre qui n'a pas la maladie. Il dit sa famille n'aime pas les réseaux sociaux. Tu dis aujourd'hui que non, et que comment ça, ta belle famille regrette de t'avoir fait du mal, tout ça, non, j'ai les audios, Flora, j'ai les audios, que même ta belle famille a parlé dedans aussi, j'ai tout, ma soeur, je ne suis pas là pour te salir, mais arrête, parce que tes abonnés t'ont pris comme télévision, et les matins très tôt, les gens te cherchent en ligne pour te regarder, ta folie, hein, ma soeur, tapotez s'il vous plaît, tapotez, partagez, les gens te cherchent pour tout se moquer de toi, hein, ma soeur. Je suis la première à te défendre, bec et ongle. Mais là, quand la vérité est là, dites-nous la vérité. Nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes, Flora. Comment est-ce qu'on peut savoir exactement quelqu'un qui a donné maladie à quelqu'un? Pourtant, le monsieur a greffe de rein et diabète. Hein? Et je suis venu dire la vérité que non, le monsieur ne t'a pas contaminé, ma soeur. Maintenant, tu es fâché depuis 5 ans de temps. Tu as parlé sur moi. Tu fais ci, tu fais ça. Non! Tu me vois d'ambassesse, ma soeur. Tu me vois d'ambassesse. Tu es femme, je suis femme, et monsieur, ne veux pas te contaminer, je vais me taire. C'est des histoires que j'ai partagées à mes abonnés pour leur donner conseil. Mais maintenant même, la vidéo est en train de partir encore. Les gens ont compris que la maladie existe. Hein? Les gens ont compris maintenant que cette maladie existe. Hein? Et là où tu es, tu peux faire comme la dame qui est sur ma page, qui a épousé un blanc, qui a pris la maladie maintenant pour sensibiliser les gens. Hein? Pour sensibiliser les gens. Vous voyez un peu? Donc du coup, là maintenant, tu peux devenir ambassadrice de ça. Venez maintenant sensibiliser, laisser ton histoire de famille. Et mon père a fait ci, ma mère a fait ci. Flora, ma mère est plus méchante que pour ta mère. Mais va voir, sur ma page, je pleure ma mère tous les jours. Je pleure mon père tous les jours, Flora. Ma mère me manque. Ma mère, elle est très méchante, plus que ta mère. Mais on l'a jamais renié. On n'est que 3 filles. Aujourd'hui, on pleure notre mère parce qu'elle a souffert pour nous. Elle n'est pas restée en vie pour manger. Ma grand-sœur aux États-Unis, moi, je suis en France. Depuis l'Afrique, j'avais déjà de l'argent. 28 ans, j'ai raconté un peu mon histoire sur la page. J'étais une grande commerçante, vous tous, vous le savez.
Bon, ma mère est décédée quand j'avais 27 ans. Ma mère n'est pas restée pour manger, Flora. Je pleure, ma mère. Je ne peux pas te permettre que toi, tu insultes ta mère. Hein? Pour que toi, tu insultes ta mère, ma soeur. Tu vois? Donc, je t'en supplie, la méchanceté que tu fais pour dire à tes abonnés de venir signaler la première vidéo, la vidéo de que j'ai dit la vérité sur toi, là. Ma soeur, j'ai mis ça en privé, mais il faut la vérité. C'est pour ça que j'ai fait le live pour parler de toi pour la dernière fois. Et j'enlève ma bouche dedans parce que j'étais déjà bloqué. Tu m'as, c'est que tu m'as donné la honte au visage. Tu m'as donné la honte au visage. Je te parle. Quelqu'un veut monter, la personne peut monter pour donner son point de vue. Non, c'est pas, une question de point de vue. Depuis là, je pas de méchanceté, voilà. Non, et pas de méchanceté sur elle. Je ne suis plus en contact avec elle parce que Emma, honey, je l'ai défendue partout sur les panels, on me descend. Ma fille. Et là, son monsieur n'a pas la maladie. Bon, je descends. Je descends. Maman, je t'écoute. Non, non, je descends. Depuis là, je te dis. Non, maman, je ne t'ai pas écouté. Je t'écoute maintenant, s'il te plaît, pardon. Depuis combien de temps je te dis, pose-toi, calme-toi. Et tu es là, tu continues à parler. Non, maman, je ne t'ai pas écouté quand tu as dit ça. Tu sais que je ne suis pas têtu, oui. D'accord. Et donc. Tu m'as dit l'autre fois même, en inbox sur mes WhatsApp, de ne rien dire concernant l'autre dame. Je t'ai écouté. Je ne suis pas têtu. Mais maintenant, pourquoi tu vas monter pour vouloir te justifier par rapport à une situation? Tu sais, dans la vie, là, je vais te dire une chose, et je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand Dieu te met quelqu'un sur ton destin, que tu le veuilles ou non, si tu dois intervenir, tu vas intervenir. Tout ce que tu fais de positif dans la vie d'une personne, ne le regrette pas. Ne le regrette pas. Oui, maman. D'accord? Oui. Elle est une de, elle est une de tes sœurs, et si tu le dis aujourd'hui, peut-être, elle a fait quelque chose que toi, tu n'as pas aimé. Oui. Comme on dit. D'accord? Oui. Les dents et la langue là, se mordent, mais ils composent et ils cheminent ensemble. Donc c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin que tu te justifies par rapport à une situation. Tapotez s'il vous plaît. Flora, elle n'a pas besoin, je te dis par rapport à une situation. Je dis de signaler ma page, la dernière vidéo et les gens ont commencé à signaler, on est venu me dire et j'ai mis ça en privé. Pourtant je leur dis juste la vérité. Le problème il est où? Si les gens ont signalé, c'est juste que dans ton destin, à un moment, ce signalement doit avoir lieu. Il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Dans la vie, tout est une chronologie. C'est de la même façon qu'on est, on grandit, on fait notre vie et on part. Tapotez, s'il vous plaît. D'accord? Et de la même façon, quand Dieu dit, tu vas aider quelqu'un, ou bien tu vas être dans la vie de quelqu'un, ça va se réaliser. Et quand le Seigneur va décider que c'est bon, c'est fini. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Merci pour les cœurs. Regarde comment tu parles. Oui. Tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes. Je suis choquée, maman. Non, tu ne te choques pas. Aïe. Tu ne te choques pas. C'est ta soeur. Il y a des choses qui sont. Je ne peux pas devant quelqu'un comme ça, on va me dire que c'est faux. Mais attends. Elle dit maintenant de signaler. Non, attends. Hein? Les choses se sont passées. Tu n'as pas aimé. Tu peux t'exprimer. Mais ménage-toi toi-même. Ménage-toi toi-même, c'est ça que moi j'entends te dire. J'ai compris. D'accord. Il faut ménager. Et c'est pas parce qu'il y a une situation que tu vas remettre en cause ce qui a existé entre vous. Ok. C'est ça que j'aimerais que tu comprennes. Tu peux dire les choses calmement et sans pour autant remettre en cause ce qui s'est passé entre vous. Donc voilà moi ce que je veux que tu comprennes. Aujourd'hui, de la même façon que elle, Flora. Elle est reconnue sur les réseaux. C'est de la même façon que tu es connue sur les réseaux. Tes abonnés viennent dans ta page parce que tu as quelque chose à leur offrir. Ils viennent parce que vous faites des choses ensemble. Donc, c'est aux mêmes personnes à qui tu es en train de parler. C'est aux mêmes personnes à qui tu es en train de parler. Mais tout ce que moi, je ne veux pas, je te l'ai dit. C'est-à-dire, ne remets jamais en cause le bienfait. Ne remets jamais en cause un bienfait. Tout ce que j'ai fait pour la défendre. D'accord? Oui, mais je ne veux pas que tu en parles. Je ne veux pas que tu en parles. Aujourd'hui, là où elle est, c'est comme tu étais en train de la défendre. Elle est dans sa phase de sa petite dépression. D'accord? De tout ce que ça change sur elle. Si tu continues comme ça, mais ça ne va pas aller. Donc, c'est pour ça que tu ne vas pas te mettre dedans. C'est pour ça que tu vas adresser certaines choses. D'accord? Oui. Voilà. Et pense à toi. Tu n'as pas besoin de venir. Tu peux parler, mais tu n'as pas besoin de venir rapporter des preuves comme ça.
Donc, tu peux venir en parler comme tu es en train d'en parler. Oui. D'accord? Donc, j'aimerais vraiment que tu gardes ton calme. Oui. Voilà. Dieu te met des personnes sur ta voie. Tapoter, s'il vous plaît. Tapoter fort, s'il vous plaît. Tapoter, s'il vous plaît. Mamie, je ne suis pas d'accord avec. Non, tu parles à la maman qui parle. Oui, c'est ma papa, maman de réseau, de TikTok, d'accord. Quand elle me parle, hein, je l'écoute parce que elle m'a déjà dit, hein, depuis, d'enlever ma bouche, tu comprends. Voilà, elle et moi-même, on se voit sur Flora. C'est maman qui me conseille, c'est vrai. Elle n'est pas d'accord avec mensonge. Mais je suis choquée, quoi. Parce que quand le monsieur m'a parlé, je suis choquée. Maman, ton micro ne marche plus ou bien comment? Alpha, on t'écoute. Madame Alpha, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Oh, le micro, alors... elle n'a fait très important. Donc, je vais descendre et je te contacte avec ton calme, d'accord? Oui. J'ai un appel très important là que je dois prendre. D'accord, ok. C'est ta soeur. Hein? On ne réunit pas une soeur, c'est ta soeur. Fais que toi, c'est pas entre vous. Elle reste ta sœur. Oui. Voilà. Mais je viens de défendre. Toi, tu dis aux gens de signaler moi mes vidéos. Parce que j'ai dit la vérité. Oui, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Voilà. C'est entre sœurs, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ma chérie. Oui, Alpha, oui. Oui, Alpha, je vous écoute. Alors, maman, elle n'a pas menti, tu vois. Elle t'a dit les quatre vérités qui est positives. Le bienfait n'est jamais perdu. Okay. Tu te souviens, il y a une dame qui nous disait ce qu'on a une preuve que tout ce qu'elle dit de monsieur. Tu te souviens de ça ou pas? Une dame m'a dit ça, que pourquoi que si? Très bien. Que nous, on est en train de la défendre. Est-ce qu'on a une preuve? Je suis dans le métro, hein. Bah, c'est quand tu m'en vas, voilà, mais je interviens. Et je quitte au travail, j'interviens. La dame, elle avait dit, et après, il y a un monsieur qui dit, ne la croyez pas. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas elle qui a contaminé le monsieur? Oui, pourquoi moi, je parle? Très bien. Laisse-moi parler juste deux minutes. Et là, maintenant, le monsieur, y a une personne qui dit qu'elle a ça il y a longtemps, que c'est une fille qui a fait tellement de péchés, du mal aux gens. Aujourd'hui, elle veut chercher un fardeau. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle bien. Ben voilà. Mais nous, on a esquivé ça. Oui, tu l'as défendu aussi. On l'a défendu. Mais tu sais, dans la vie, quand Dieu veut humilier une mythomane, c'est toujours comme ça. Quand Dieu veut humilier une personne qui veut salir les autres, c'est toujours comme ça. Tu n'as rien perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait, et tu as bien fait de sortir, de te justifier. Pour demander pardon à le monsieur, quand tu as vraiment cassé le monsieur en deux. Oui, oui, je l'ai demandé pardon parce que je l'ai regarde comment j'ai parlé du monsieur. Je suis fière de toi, mais faut pas regretter. Tu as bien fait. Parce que cette fille, je t'avais dit que ça devenait mental, qu'elle était déjà devenue mentale. Qu'elle ment, elle imagine des trucs, elle hallucine. Tu vois, quand ça devient la maladie, au pire, tu refuses de voir un psychologue, c'est comme ça que ça devient. Tu vois? Donc maintenant, c'est aussi simple. Tu t'es justifié et ne dis plus rien. Comme tu l'as dit, tu l'as banni. Écoute, je me suis désabonné, j'ai bloqué. J'ai tout bloqué, je me suis désabonné. Et voilà, donc tant mieux. Moi, je te suis. Alpha, s'il te plaît, émotion. Moi, je n'ai pas dit à mes abonnés maintenant. Tous ces abonnés viennent chez moi. Je n'ai pas dit maintenant. Parce que tes abonnés savent que tu es quelqu'un de bien. C'est des personnes qui sont lucides. Hein? Ils sont venus me dire ça, qu'elle dit de signaler mes trucs, là, mes vidéos et ma dernière vidéo. C'est ses abonnés qui sont venus me dire ça, que je la défends et voilà qu'elle est ingrate. Elle est très ingrate. Elle n'est pas, en fait, elle est malade. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, en fait. Elle est très malade. On ne peut plus la soigner, en fait, parce qu'elle ne veut pas accepter. Elle se sent rejetée. Pourtant, personne ne la rejette. Personne ne la rejette, mais c'est devenu mental. Je pense que elle voulait faire du mal à le monsieur, ou le monsieur lui dit, mais laisse-moi tranquille. Le monsieur m'a dit que il a menacé que si jamais le monsieur la laisse tomber, il va attendre ce qui va lui faire. C'est ça que j'ai joué un peu dans ma vidéo. Vraiment dommage, hein. Pourtant, on l'a sensibilisé, on l'a fait comprendre qu'elle pouvait même avoir un homme avec tout ça. C'est vraiment dommage. Tu vois, mais quand il y a un mauvais front, là, personne ne peut t'aider. Quand il y a un mauvais fond, personne ne peut t'aider. Flora, donc, on peut aimer quelqu'un comme ça. Je me suis combattue là et ongle. Tu t'en fous. Yeah. Oui, c'est Jessie qui a raison. Aujourd'hui, j'ai votre façon. J'ai cité Jessie aussi. J'ai cité Jessie aussi sur ma page. Allez voir la première vidéo sur Flora. J'ai pas conseillé à Jessie Jay. J'ai dit Jessie Jay, tu es mauvais. Pourquoi tu traites Flora comme ça?
Attendez, je vais vous jouer un panel. On m'a descendu d'un panel. Et attendez, je vous joue. Je vous joue la vidéo. On m'a chassé d'un panel à cause de Flora. On les faut plus te ridiculiser. Faut plus te ridiculiser pour elle. Tu as fait ce que tu pouvais. Oui. Tu as fait ce que tu pouvais. Flora va se lever comme si moi je suis contre elle maintenant. Elle dit de venir signaler la dernière vidéo, ma soeur. Je peux te faire ça? C'est pas grave. Je vois Jessie, j'ai passé, s'il te plaît. Jessie, je vais te demander pardon. Je te vois passer. Voilà. Merci. Sur ma page, viens, je te demande pardon. D'accord? Jessie, il est cool. Il va accepter tes excuses. Il est en train de passer. Jessie, s'il te plaît, t'as envoyé d'invitation. Monte. Hein? Il est cool, Jessie. J'ai raison. Mais je t'ai insulté pour défendre Flora. Aujourd'hui, elle envoie des gens pour signaler moi mes vidéos. Hein? Vous êtes au boulot. Il dit qu'il est au boulot. Sinon, il allait monter. Mais oui, même moi-même, Jessie, là, je sors de métro. Jessie, j'ai collé sur Flora comme ça pour dire que c'est une monteuse et qu'il la connaît depuis des années, tout ça. Là. Je suis venue faire moi, oui, ma voisine m'a dit ça aujourd'hui. Oui. Ma voisine m'a dit que non, qu'elle a fait du mal à beaucoup de gens. Oui. Elle est en train de payer son karma. Oui. Voilà. Je refuse toujours. Hein? Flora, c'est toi qui seras ingrat contre moi pour dire de signaler mes vidéos. Elle est très méchante. Hein? Elle est très, très méchante. Hein? Flora, et tes abonnés croient que tu. Tu crois que tes abonnés t'aiment et tu es là, tu parles, tu es devenu dessin. Dessin animé télévision. Tes abonnés se moquent de toi derrière. Tes abonnés sont partout. Là où on t'insulte, ils sont partout. Je t'ai parlé fatigué, ma soeur. Je t'ai parlé fatigué. Tu n'es pas la seule qui a la maladie d'Assi. Les gens ont ça. J'ai même publié ça. Tu te rappelles pas, il y a une dame qui dit voilà, qu'elle seule a tous ces maladies, la cancer, l'utérus, machin. Qu'est-ce qu'elle n'a pas malade? Hein? Tu te rappelles pas? On peut faire ça. Maintenant, arrête de salir le monsieur. Ne dis pas que c'est le monsieur qui t'a contaminé. Moi-même, j'ai bien insulté ce monsieur, mais déjà longtemps, le monsieur m'a appelé en même temps. J'ai dit, Non, c'est Dieu qui a fait ton palabre. En fait, c'est Dieu qui a fait ton palabre parce que tu étais en train de te battre pour une personne qui n'avait pas la peine. Hein? Tu vois? Hein? Donc, faut pas regretter. Tu n'as rien perdu. On m'appelle pour me dire qu'on, tout d'abord, me demande mon numéro inbox pour me parler. Je crois que c'était quelque chose. Je ne savais pas que c'était le problème de Flora. Et j'ai donné mon Et elle se permet de dire aux gens de ne pas te. De te signaler. Oui, de signaler. Et c'est mais comme ça. Méchant, j'ai mis la vidéo en privé. Ils ont déjà commencé, j'ai mis la vidéo en privé, ma soeur. Ouais. Hein, Flora, tu as été ingrate avec moi. Mais j'ai tous les audios, tes pleurs à ton mari, tout ça. C'est vie privée. Hein? Je ne peux pas venir t'installer. Tu comprends? Moi aussi, j'ai une fois publié un homme comme ça. Mais quand j'ai compris, la maman qui est montée maintenant m'a dit ma fille, tu es belle, tu es trop un homme. J'ai laissé tomber, j'ai remis tout dans la main de Dieu. Parce que si tu rates ton premier mariage, c'est à vie. C'est la chance que tu auras encore de rencontrer un homme. Moi, mon cas est que je suis commerçant. Les hommes qui venaient, c'est pour venir. Tu as préparé quoi? Tu fais quoi? Prête-moi ta voiture. C'est les hommes-là, j'ai trouvé en Afrique fatigué. C'est pour ça que la personne nous avait dit qu'il ne faut pas qu'on se prenne la tête pour elle, que c'était une mythomane. Hein? Qu'elle est, que ça devenait mental en elle, voilà. Elle est en train d'inventer les maladies en elle parce qu'on est en Europe ici, c'est tout. Hein? Flora, les gens vont citer que tu es en Suisse, que tu as des aides. Moi, je dis de cotiser pour toi. C'est moi, un mec qui a dit premièrement de cotiser pour toi, ma soeur. Hein? C'est moi qui ai dit de cotiser pour toi. Tu as oublié et tu me remercies chaque jour. Aujourd'hui, parce que ton mari m'a dit la vérité, tu dis aux gens de signaler moi ma vidéo. On peut faire ça, ma soeur. J'en ai fini, d'accord? Je ne vais pas faire démonter les gens pour t'insulter parce que les gens font des demandes. Juste pour éclaircir ça aux gens que ton mari n'a pas cette maladie. Ton mari ne l'a pas. Ton mari n'a pas cette maladie. Même si on t'a trouvé ça en août, ton mari n'a pas cette maladie. Elle avait ça il y a longtemps, elle a caché. Mais moi, je ne sais pas. Tu sais, il y a un mec qui était monté qui nous dit, mais vous ne savez pas qu'elle avait ça? Qu'est-ce qu'il nous prouve? Non, moi, je ne peux pas dire ça parce que ça ne me concerne pas. Mais oui, le monsieur m'a cité que qu'est-ce qu'il prouve que c'est. C'est le monsieur. Assez souvent qu'ils ont les mauvaises réputations de Flora. Maintenant, je suis la seule qui fait des vidéos sur toi maintenant. Moi aussi et toi, maintenant, on est encore de vous séparer parce que tout le monde me disait, tu es menteuse. Maintenant, je vois maintenant que c'était vrai. Ton mari était prêt à me montrer les tests, les analyses par caméra. Et qu'aujourd'hui, quand tu étais en live. Je l'ai bloqué, ma chérie, je l'ai bloqué carrément. Aujourd'hui, je me suis désabonné et tout. Oui, aujourd'hui, quand elle était en live, et les gens disaient non, et elle faisait comme elle enregistrait audio pour envoyer à son mari pour l'insulter, ses abonnés sont venus me dire. En plus, seulement, quand le monsieur l'a appelé, il était à côté. Non, le monsieur, arrête de me salir. On n'a pas les mêmes maladies, arrête de me salir. Le monsieur est calme, c'est un monsieur calme, vous voyez un peu. C'est un homme vraiment très calme. J'ai dit, je lui ai demandé pardon. Que je t'ai insulté, monsieur, s'il te plaît. S'il te plaît, monsieur, je t'ai insulté. Mais aujourd'hui, j'avais la vérité depuis hier soir. Mais pourtant, j'ai encore publié une vidéo de pardon. Que Flora demande pardon à tout le monde. On peut aimer quelqu'un comme ça. Je suis ta soeur ou je te connais. Je suis togolaise. Toi, tu es ivoirienne. Je te connais où? Je suis dans ton inbox pour parler de quelque chose. J'ai vu que tu es malade. C'est comme ça.
tu as commencé à demander des aides pour toi. Ouais, elle a été très méchante. Ma soeur. En fait, ça devient mental. Elle n'est pas absolument qu'elle se soigne. Elle ment, elle s'invente les maladies qu'elle n'a pas. On peut faire ça. Hein? Cancer de la nuit, je suis venue monter parler. Cancer de quelque chose, tapotez s'il vous plaît. Je ils suis venue monter. Ils ont coupé son utérus, ils ont enlevé tout. Oui, elle ne peut pas avoir d'enfant. Ma soeur, hein? Les gens ont cette maladie. J'ai posté une dame sur ma page hier. Hein? Elle a fait des beaux métis. Son mari l'a épousé. Oh, ça est ici ma page. Avec... Ça est ici ma page. Oui. Elle a, son mari, elle a épousé avec sa maladie d'Assi au mariage, état civil. Nous, ici, là, on n'a rien, mais état civil, on n'a pas trouvé. On nous marie seulement à la maison. Evora, on nous marie seulement à la maison. La dame, là, elle a la maladie d'Assi. Le monsieur l'a épousé. J'ai publié ça hier sur ma page. Elle est toute, elle est ivoirienne. Elle parle de ça chaque jour. Ma soeur, tu n'as rien, tu grossis, tes fesses sont sorties. Habille-toi, ceci. Oublie que les gens sont cotisés pour toi, ma soeur. Tu vas trouver son compte. Elle est très méchante. Il y a même les sites de rencontre. J'ai déjà dit ça sur ma page. Va sur les sites de rencontre là-bas. Il n'y a rien de honte. Si quelqu'un vient te trouver sur les sites de rencontre. Regarde, il y a une dame burkinabé. Tu n'as pas vu. Il y a une dame camerounaise qui cherche un homme qui a ça. Elle est au Mali. J'ai mis ça sur ma page. Tu n'as pas vu ça? Non, je n'ai pas vu. Si, je t'ai envoyé. Il y a une dame qui dit que voilà, qu'elle est séropositive. Elle est au Mali. Tu m'envoies, j'ai vu ça aussi. Donc, elle cherche un homme qui a le même statut, 50 ans et tout. Arrête, je ne t'ai jamais dit ça, mais là maintenant, ton mari m'a expliqué tout, j'ai honte. Il faudrait que je te dise la vérité. Les gens m'ont renié à cause de toi ici. Hein? Les gens m'ont renié. Maintenant, tu prends la maladie, le médicament, tu es grosse. Habille-toi bien. Va sur le site de rencontre. Hein? Il y a même les sites de rencontre pour ces gens de maladie. La dame que j'ai publiée a dit ça. Hein? Tu vois, quelqu'un dit ma cousine a cette maladie, elle est belle et bien mariée. Tu dis quoi avec un blanc, Flora? Ouais. Tu sais ce que t'as ici là. Flora, tu vas te marier. Laisse ce monsieur. Que le monsieur de Don Goumet ne soit pas derrière le monsieur. Sinon, tes audios qu'on m'a envoyé tout, j'ai écouté là. Quand ton mari m'a contacté, j'ai honte. Tu vois, j'ai honte. Les gens écrivaient dans les commentaires que tu as Goumet sur ma page. Mais c'est ça, peut-être que c'est ça. Écoutez. En plus, elle veut saluer le mec. Parce qu'elle est tombée, maintenant elle veut saluer le mec. Oui, ma soeur. Oui. Tu n'as pas voulu nous exposer cette maladie. On connaît les autres. C'est tout, mais c'est sorti de la bouche de ton instance sociale et j'ai enregistré. J'ai ça, ma soeur. Mais comme c'est tombé maintenant, tu as vu que les gens ont entendu, tu nous as dit. Nous sommes prêts à te supporter. Mais ma soeur, mais pourquoi c'est devenu maintenant maladie pour que vous demandez? C'est moi qui t'ai dit de demander l'argent. Mais comme c'est ça maintenant, je sais maintenant que c'est la maladie d'Assi maintenant. Ne quémande plus. On travaille aussi avec ça, ma soeur. On travaille avec ça. Je t'ai trop défendu. Mais ton mari m'a appelé. J'ai honte. J'ai honte, ma soeur. Ouais, elle n'a pas honte. C'est où elle ne se rend pas compte? Je me dis peut-être qu'elle ne se rend pas compte. Peut-être qu'elle ne se rend pas compte ce qu'elle fait. Ton mari m'a dit que s'il se lève aujourd'hui, qui peut t'enfermer parce que tu mens. Oui, il peut. Oui, que tu mens. Il peut. Même s'il a ça, tu n'as pas le droit d'annoncer la maladie de quelqu'un. Puis tu appelais ça dans des familles, dans les vidéos que j'ai publiées. Effectivement, oui. Et tu dis qu'il y a une fille connaît qui a ça. Oui, moi, Aïcha Bazouka. Oui, moi je suis allée insulter. Oui, je suis allée insulter la fille qui connaît là. Pourtant, la fille connaît là n'est pas sortie avec ton mari. Flore, on peut faire ça à Adama. Adama, quand même, je m'en peu, mais pour toi, c'est devenu dosé. Aïe, ma soeur, nous tous sommes manants. Tu vas mentir pour sauver ta vie. Mais mentir sur la maladie de quelqu'un, sur le corps de quelqu'un, ma soeur. Hein? Je t'ai défendu partout. Mais quand ton mari m'a appelé, je suis choqué. J'ai eu honte tout d'abord. J'ai eu peur d'abord. J'ai eu honte. Le monsieur m'a supplié que non, c'est pas pour me faire du mal, mais que si je veux te faire appel vidéo pour me montrer tout, ma soeur. Hein? Et c'est quoi? Hein? Et c'est quoi? C'est parce que tu as fait truc là-dessus et tu as parlé mal de lui, ma soeur. Pourquoi? Hein? Ma soeur, pourquoi? Je t'ai toujours défendu, je t'ai toujours aimé. Je ne peux jamais te faire du mal. Je ne peux jamais te faire du mal. Tu comprends? Je ne peux jamais te faire du mal. C'est ça, je suis venu pour expliquer. D'accord? Je suis venu pour expliquer ça. Ma soeur, ma dernière vidéo sur toi, quand j'ai dit la vérité, j'ai joué l'audio de ton mari. Et les gens ont compris maintenant que le monsieur n'a pas la maladie. Tu ne peux pas dire aux gens de venir signaler. Quand je te défendais, tu n'as pas dit ça. Ce n'est pas aujourd'hui que tu dois faire ça, ma soeur. Tout le monde ne veut pas te dire sur ta panel qu'ils ont cette maladie. Tes abonnés ne t'aiment pas. Tes abonnés sont partout. Là où on t'insulte, ils sont partout. J'ai même arrêté, je t'ai envoyé l'autre fois. Une dame qui mange chez toi chaque jour. Cette dame, chance, elle s'appelle chance, elle est montée sur mon live ici. Chaque live s'enregistre, j'ai son enregistrement. Mais quand elle m'a vu là-bas, elle a fait comme si elle n'est jamais montée chez moi ici. Fais attention à toi, ma soeur. Tout le monde ne t'aime pas, c'est des pafroteuses. Hein? Fais attention à toi. Je suis monté sur ton live combien de fois? 4 fois. Quand je vais partout, tout le monde m'insulte à cause de toi, que je te défends. Hein? Pourquoi tu fais ça, ma soeur?
Les gens, tout le monde t'insulte en cachette que c'est toi qui te promène pour remuer les fesses, que c'est toi qui as la maladie. Mais les gens vont semblant pour monter, pour te dire non, calme-toi, il faut faire ci, il faut faire ça. Et tous les appels sont sur haut-parleur. Hein? Tous les appels sont sur haut-parleur jusqu'à là, le nom de la maladie là est tombé. Tapotez, s'il vous plaît. Hein? Tout le monde, tous les jours, haut-parleur jusqu'à le nom de la maladie là est tombé devant nous tous. Les gens maintenant ont commencé à voir, tu es obligé de nous dire. Pourquoi ne pas venir très simplement depuis la maladie? Le jour que tu as pleuré, nous tous on a vu pour demander pardon là, pour nous dire que, ah, pardon, je vous demande pardon. On m'a trouvé la maladie d'Assi. Pour nous informer, dès le début, tu allais avoir trop de soutien, trop d'argent, je te jure. La première vidéo que tu as fait pour demander pardon, si c'est pour que tu nous as annoncé ça, tu auras trop d'argent que tu cherches aujourd'hui. Mais tu as mélangé tout. Oh, j'ai le cancer, j'ai ci, j'ai ça, tapoter s'il vous plaît, ma soeur. Hein? Tu as mélangé tout, tu nous as tout dit. Moi aussi, avec ma longue bouche, je suis là à faire des vidéos pour te soutenir. Allez cotiser pour Flora. Notre soeur est malade, notre soeur est assis. Je t'ai soutenu, les gens m'insultent. On peut m'insulter comme ça. Dans les commentaires, on dit continue à l'écouter. Même hier, j'ai posté une vidéo que tu demandes pardon. Va voir les commentaires. Tout le monde, mais j'ai fait semblant comme si rien n'était, ma soeur. On peut faire ça? On peut défendre quelqu'un qu'on ne connaît pas comme ça? Hein? On peut faire ça? Flora, je t'ai aimé. Mais le fait que ton mari a cherché les gens pour me contacter depuis l'hôpital, elle m'a choqué, ma soeur. Ça m'a vraiment choqué. Tu as compris? J'ai eu honte que c'est parce que tu l'aimes, parce que tu le dis dans ton direct que tu l'aimes toujours, hein. Mais le monsieur dit qu'il ne veut plus de toi. Hein, tu joues ces audios d'amour. Ces audios anciens, tu joues. Tu vois, je ne peux jamais te salir. Parce que là, tu as dévoilé une maladie que tu as besoin de soutien. C'est moi qui dis toujours ici à mes abonnés que tu fais la dépression. Quand les gens montrent pour t'insulter, c'est moi qui te défends. Hein? C'est moi qui te défends, ma soeur. Parce qu'en Europe ici, on n'a pas d'amis, on n'a personne. Quand tu tournes là, tu ne verras personne. À part mes enfants que j'ai, je ne trouve pas de famille ici. Je ne tombe pas sur quelqu'un. Amitié entre les Noirs ici en Europe aussi, c'est des problèmes. Mais je te comprends, Flora. Je te comprends et tout le monde veut t'insulter. C'est moi qui me promène partout pour te défendre. Que tu fais la dépression. Aujourd'hui, parce que j'ai dit la vérité, ma soeur, que le monsieur n'a pas la maladie parce que ton mari m'a contacté et m'a montré les preuves. Hein? Je suis venu dire ça dans une vidéo. Tu dis de signaler la vidéo. J'ai mis ça en privé. Ma soeur, je l'ai mis en privé. Mais sache que ta vie, c'est toi et non les réseaux, les yeux des réseaux. Tes abonnés sont font semblant avec toi. Ils ne t'aiment pas. Hein? Elles écrivent des trucs en bas pour te soulager. Tu veux mettre, c'était la vie, dis oui. Porte ça. Mets rouge à lèvres. Merci. Mais ça, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Tu fais dessin animé devant eux. Hein? Les gens sont ennuyés. En Europe, on est ennuyés. Tout le monde est là pour te regarder. Quand ils se réveillent le matin, ils cherchent où est Flora pour venir te regarder. Ceux qui m'ont su tes panneaux sont fatigués. Tout le monde est fatigué, mais tout le monde fait semblant parce qu'il ne peut pas te rester derrière toi après te lâcher. Mais moi, j'ai lâché. Et je t'ai bloqué aujourd'hui avant de faire ma dernière vidéo que tu as dit de signaler. Parce que j'ai eu toute la vérité. Tu comprends? Même si, disons, supposons que c'est ton mari même qui t'a contaminé, paraît-il que tu n'as pas le droit de venir dire. C'est pour ça que quand les gens disent de t'afficher sa photo, tu n'arrives pas à le faire sortir. Maintenant, hier, tu dis, je demande pardon à mon mari, je demande pardon. Enfin, si moi, j'ai encore réussi pour venir demander pardon à tout le monde. En même temps, tu as encore commencé par insulter. En même temps, tu es à l'hôpital, tu filmes encore. Pourtant, Yves Dero est monté, j'étais là. Hein? Donc, pour ta propre personne qui est Yves Dero, tu n'as pas pu respecter cette dame-là. Hein? Cette dame-là, tu n'as pas pu la respecter. Ton mari me dit que tu veux Stamania. Que pourquoi tu parles de lui et tu montes pour Mads? Hein? Est-ce que ton mari a dit que tu veux Stamania, que tu dis que lui-là, la maladie d'Assi, mais tu l'insultes, que pourquoi tu montes en même temps t'es pour Mads? Que tu as tout fait. Ton mari paraît-il qu'il est monsieur et truc-là, des danseurs, que c'est lui qui informe les gens pour danser, ou forme les gens pour danser. C'est un grand monsieur, paraît-il que. Hein? Paraît-il que c'est un grand monsieur. Hein? Le monsieur est à l'hôpital actuellement, hospitalisé, greffé. Il fait le diabète. Et toi, tu dis qu'actuellement, il est à l'hôpital. Tout le monde croit que c'est la maladie d'Assi, là, qui l'a amené à l'hôpital. Moi-même, je crois que c'est à cause de ça, il est à l'hôpital. Et il a dit, monsieur, vous êtes hospitalisé à cause de la maladie d'Assi, là, non? Le monsieur me dit, si je veux, qu'il va me faire appel vidéo pour me montrer toutes les preuves. Qu'il est greffé depuis. Qu'il est célibataire. Hein? Flora, tu fais des trucs même. Je ne vais pas tout dire, Flora. Je ne vais pas tout dire, tous les audios, je ne vais pas te publier, d'accord? Mais je t'en supplie que tu as été ingrate avec moi. Tu as été très ingrate avec moi. Tu n'as pas le droit. La vidéo, fallait laisser ça pour que les gens sachent la vérité. Tu as signalé la vidéo, que les gens n'ont qu'à signaler. Les gens, quand ils sont venus, tes abonnés sont venus me dire ça. En même temps, j'ai mis ça en privé. Ils ne vont pas trouver ça jusqu'à signaler. On peut faire ça, ma soeur. Tout le monde, dans le monde entier, là, on dit, en France ici, là, 3/4 la maladie d'Assi. 3/4 des gens ont la maladie, là. Mais les gens prennent des médicaments. Actuellement, tu as grossi, ma soeur. Hein? Fais ton sport. Laisse que je suis malade. Je vais aller à l'hôpital. J'avale 15 comprimés. On peut avaler 20 comprimés. Tu vas t'intoxiquer, ma soeur. Hein?
tu vas t'intoxiquer. Tu montres tout ça comme preuve. Tu dois te justifier. Aujourd'hui, tout ce que tu faisais, on te dit, le monsieur qui m'a contacté était avec ton mari. Il m'informe encore de tout. Quand tu fais un cinéma là-bas, tu joues des anciens de Dieu que le monsieur t'aime toujours. C'est les anciens de Dieu que tu jouais. Quand le monsieur t'a vraiment appelé pour te dire arrête de le salir, tu as mis ça sur le silencieux. Ma soeur. Pourquoi ça? Même hier, les policiers sont venus dans ta maison. Je suis allé sur un panel, on m'a chassé que c'est toi-même qui a appelé les policiers là pour venir. Pour venir. Quand tu sois, tu as fait semblant et les policiers là, pour les appeler, pas un autre portable dans ta main pour écrire message, les policiers sont venus pour t'attraper. J'avais encore pitié de toi hier. On peut faire ça? Tu es devenu en train de jouer film. Et tout le monde te regarde, ceux qui te regardent aussi sont méchants. Si tout le monde ne vient plus, et puis tu es seul, tu vas parler seul jusqu'à laisser tomber, c'est parce que les gens sont là. C'est parce que les gens sont là, ma soeur. C'est des hypocrites qui sont avec toi. J'étais la seule à te dire la vérité, à te défendre. Je t'ai défendu. Je laisse mon petit travail que je vais faire pour laisser la nourriture de mes enfants. Je fais une vidéo, je fais 4 ou 5 heures sur la vidéo pour monter ça, pour parler de toi, pour te soutenir. Aujourd'hui, je dis la vérité au monde que le monsieur n'a pas cette maladie parce que le monsieur a fait tout et tout pour me contacter. Parce que je te défends trop. Tu as dit te signaler ma dernière vidéo. Tu as été ingrate. Hein? Tu as été ingrate. Moi, tout ce que j'ai fait au nom de Dieu. Je te pardonne, mais ce que je t'ai seulement bloqué. Je ne veux même plus te voir en live, ni être en contact avec toi. Pour qu'on t'insulte quelque part, je vais monter pour te défendre. C'est fini. Parce que tout le monde qui te défend, après chacun te laisse. On peut faire ça? Est-ce que tout un monde entier peut être contre une seule personne? Hein? Et les gens m'ont te dit, calme-toi, non. Tu dois tout t'expliquer. Hein? Flora, moi, je pleure ma mère. Va voir la vidéo, là, il y a une semaine, je pleure ma mère, le jour de Pâques. Ma mère me manque, je vais lui acheter des trucs. Je vais lui faire des cadeaux. Elle a souffert pour nous, on n'est que 3 filles. Aujourd'hui, ma mère ne vit plus. Nous tous, on est assises, un peu, personne ne souffre parmi nous, mais notre maman est partie. Ma soeur, je ne veux pas te laisser insulter ta mère. Mais je te défends parce que tu es malade. Mais tout le monde est contre moi. Dans les commentaires, sur les vidéos, on dit je ne te connais pas. Mais je t'ai soutenu. Je suis là, ton mari passe par un de mes abonnés, on m'appelle. Le mari me montre toutes les preuves que lui n'a pas la maladie. J'étais choqué. C'est normal que je fasse la vidéo pour contredire ce que j'avais dit. Parce que j'ai eu pitié du monsieur. Hein, un monsieur calme avec sa famille. Hein? Un monsieur calme avec sa famille. Moi aussi, j'ai eu fois vilipendiser un monsieur comme ça à cause de Goumet. C'est là maintenant que je comprends que c'était Goumet. Qui t'a fait ça parce que tu l'as menacé que si jamais elle ne te repousse pas, que tu vas le vilipendiser, ma soeur. Je ne peux pas envoyer tes audios à tout le monde. Je connais le contact de tous les blogueurs ivoiriens. Blogueurs, ils vont tout le monde. On va jouer les audios là, devant tout le monde, mais ça va te rabaisser. Les audios d'amour, ça va te rabaisser, ma soeur. Donc là, j'ai servi quelque chose pour te défendre pendant des mois. Hein? Et cette semaine, c'est toi qui as été mon travail que j'ai fait. Je t'ai défendu par des vidéos. Parce qu'un homme ne peut pas te contaminer, fuir et te laisser. Alors que c'était le contraire, le monsieur n'a pas la maladie. Hein? Peut-être c'est pas que tu t'es prostitué pour avoir ça. C'est pour ça que quand un monsieur a dit ça, je l'ai répondu par une vidéo. Peut-être que c'est pas par prostitution. Parce que tu es coiffeuse aussi. Hein? Arrêtez de m'envoyer des demandes. Tu es coiffeuse aussi. Peut-être c'est l'aiguille qui t'a piqué. Hein? Peut-être c'est blessure. On ne sait pas. Personne ne peut te juger. Mais arrête de faire la méchanceté. C'est ce que tu as fait là. De dire à tes abonnés d'aller signaler ma vidéo où j'ai démenti que le monsieur n'a pas la maladie. Tu comprends? J'en ai fini. Je ne veux pas prendre personne pour insulter Flora. Vous comprenez? Hein? Je ne veux pas prendre personne pour insulter Flora. Je l'ai défendu sur ma page. J'ai eu la vraie version que le monsieur n'est pas malade. Le monsieur, on l'a mis en contact avec moi. Il m'a appelé avec le portable de son ami, qui est mon abonné. Et le monsieur m'a appelé. J'avais eu peur parce que j'ai parlé mal de lui sur ma page. Je l'ai bien lavé, qu'il est méchant, il a contaminé Flora. Alors que le monsieur n'avait pas la maladie. Voilà. Le monsieur a d'autres maladies, disons même graves encore. Parce que greffer un rein, je pense que la maladie VIH même était mieux. Parce que là, tu vas prendre les médicaments. Avant que tes reins ne se détruisent, ça serait trop loin. Mais la maladie même que le monsieur a là, disons même que c'est plus grave que pour Flora même. Hein? Mais ma soeur, tu nous as servi toutes les maladies. J'ai accepté, je t'ai défendu. Je monte sur tes lives, au moins 5 fois je suis monté. Pour te calmer, ma soeur. Je t'ai toujours cru. Hein? Je monte sur les panels, on m'insulte. On m'insulte à cause de toi. J'ai eu honte quand ton mari m'a contacté. J'ai eu vraiment honte. Nous tous là, on mentionne nos maris à cause de Goumet peut-être. Mais elle dit que la personne a la maladie. C'est fort, ma soeur. C'est fort. Je ne fais pas de live comme ça. Mais tu m'as fait parler parce que tu m'as touché quand tu envoies tes abonnés d'aller signaler ma dernière vidéo. Quand je te défendais, c'était content.
dans les commentaires, tu as tes commentaires pour me dire merci. Mais le mari dit qu'il n'a pas. Je suis venu pour dire au monde entier que le mari m'a contacté avec toutes les preuves. J'ai des audios et c'est goumé parce que le monsieur ne veut plus de toi. Voilà, tu as trop créé de scandale, même avec dans sa famille, hein, avec son ex qui lui a fait 2 enfants. Le monsieur a 2 métis. Moi, je ne savais pas tout ça là. Aurélie, ou bien Aurélie, c'est le nom de ta co-épouse, c'est le nom de ça, la maman de ses enfants, Aurélie. Comment je sais tout ça? Hein? Tu as fait des photos à ce monsieur, tu as fait beaucoup de choses pour envoyer des trucs. Je t'en supplie, ma soeur. J'ai honte parce que je t'ai défendu. Et aujourd'hui, hein, tu n'as pas été gentil avec moi, d'accord? Arrête de dire de signaler ma dernière vidéo sur toi. Ma vidéo qui reste, que tout le monde aille regarder pour sensibiliser que effectivement cette maladie existe. Mais pour le moment, c'est ma dernière vidéo ou direct que j'ai fait pour te défendre. Ceci, maintenant, je ne te défends plus. Je t'ai bloqué, mais je dis la vérité de ta méchanceté que tu fais avec moi, avec tes abonnés. Tu as compris? Je ne cherche pas de yeux ni de stamania. Je donne des astuces sur ma page. Je fais ma petite comédie. Je raconte ma vie. Ma vie même, déjà, c'est une histoire racontée. Parce que de ma jeunesse jusqu'à maintenant, j'ai parcouru des choses que je raconte à mes abonnés. Mes abonnés, moi-même, comme ça, je n'ai pas besoin de toi. J'ai 2 pages arrivées en Europe. J'ai perdu le premier 288 000 abonnés en 6 mois que j'ai fait sur TikTok. Donc là, je ne cherche pas cette manière. Je ne demande pas de fleurs, ma soeur. Ma page là, je ne sais même pas comment monétiser ça. Parce que c'est maintenant, j'ai eu mes papiers français et TikTok demande tous tes papiers. Tu comprends? Donc du coup, je t'en supplie. Je ne veux pas de monétisation ou bien sur toi, quelque chose sur toi. Je tremble. Je tremble parce que j'ai eu toute la vérité. Cette maladie ne fait plus peur, ma soeur. Cette maladie n'est plus rien. Tes abonnés, ils ont ça beaucoup là-bas. Tapotez, s'il vous plaît. Tes abonnés ont ça beaucoup là-bas. Mais c'est eux qui ont biqué crayon, tapote sur l'écran pour te regarder. Tu es devenu leur jouet. Prends cette maladie pour sensibiliser. Prends cette maladie maintenant. Va dans les associations. On va te nommer comme notre soeur ivoirienne qui fait ça déjà. Ces enfants sont des métis, ne n'ont pas cette maladie. Le mari n'a pas la maladie. Hein? Le mari n'a plus cette maladie, n'a jamais eu ça. Donc, tu n'as pas besoin d'expliquer où tu as contaminé ça parce que ce n'est pas seulement la fornication et l'adultère qui donnent cette maladie. C'est ceux qui n'ont pas été à l'école qui peuvent t'accuser que tu t'es promené ou bien tu as fait la prostitution, tapoter. Peut-être tu l'as eu pas coiffeuse que tu fais, oh. Peut-être tu l'as eu pas aiguille, oh. Mais arrête de dire que c'est ce monsieur qui t'a contaminé. J'en ai fini. Je ne fais monter personne. Hein? Pour ceux qui envoient des demandes. Si vous montez, parlez du sujet. N'insultez pas Flora. Voilà. Parce que j'en ai fini. Merci. Le monde, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Aimée de l'or. Tu te rappelles hier? Ah ah. Voilà, c'est toi qui m'as bien lavé. Tu as vu, tu m'as chassé du live. Tu as vu? Ah ah. Je t'ai dit que si je demande, tu es béninoise ou togolaise, parce que c'est qu'on a des valeurs. Ah, nous, on n'encourage jamais les bêtises. Oui, tu m'as chassé sur le live. Tu as même été gentil avec moi. Oui, oui, non, parce que j'ai vu que les gens commencent à te faire ça, je peux pas te livrer, mais je t'ai dit la vérité devant eux. Oui. Que nous, tu peux pas encourager les bêtises. Qu'il faut la observer bien. Que c'est trop. Moi, la journée de samedi et dimanche, elle m'a terrorisée, quoi. J'ai dit, mais celle-là, ça existe encore les personnes. Ça dit, 2024, une grand-mère, 2 fois grand-mère. Parce que son fils à Abidjan a un enfant. Sa fille en Europe a un enfant. 2 fois grand-mère, Flora. Oui. Je dis non, je veux pas te voir accompagner ça. Oui, parce qu'elle n'arrive pas de te dire, c'est pas ma volonté de demander l'argent, c'est une abonnée béninoise, c'est une abonnée togolaise. Tu dis non. C'est moi. Oui. Donc hier, je dis non. Il faut que je te parle, il faut la observer. C'est pas parce qu'on n'est pas sensible, on est sensible quand elle est arrivée l'année dernière avec la maladie. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est là, même si elle est malade, il y a un problème. Oui. Elle impose sa maladie à tout le monde. Même en février, j'étais à Lomé. Moi, il faisait trop chaud. Donc, moi et mes filles, on a eu une intoxication. J'ai fait un post pour mes abonnés parce que moi, je suis trop Facebook. J'ai les abonnés là-bas et tout. Donc, je fais les lives Facebook. J'ai fait un post pour dire aux abonnés que je suis malade. Elle vient encore là-bas et me dit, et moi alors, moi qui prends 10 médicaments par jour, 21 maladies. Le 3 mars, elle a écrit 21 maladies. Oui. Samedi passé, elle a parlé de 42 maladies. C'est là, j'ai dit, c'est là. Vraiment, c'est un danger. C'est un danger pour elle-même et pour ses entourages. Je suis là, son mari m'appelle. Un abonné m'a écrit une bosse pour me dire qu'il est mon abonné. Que lui, il veut me contacter. Que je le défends trop avec des vidéos. Je défends trop Flora.
avec des vidéos que et lui va me dire la vérité. Et j'ai dit, monsieur, je ne donne pas mon numéro privé de la France à tout le monde. Mais moi, j'ai mon numéro de Bénin parce que j'ai grandi au Bénin. J'ai fait 18 ans, c'est là-bas, j'ai fait mon commerce, j'ai fait tout. Mes terrains sont là-bas. Je suis allé là-bas avec ma mère. Mmh. Puisque ma mère est fonctionnaire, mes enfants sont béninois. Donc, j'ai accompagné mes enfants pour l'Europe. Mais mon numéro d'Europe, je ne donne pas à personne. Je ne donne le numéro béninois. Le monsieur me dit non. Que lui, il est en Europe, qu'il va aller jusqu'à chez le mari de Flora en Suisse. Mmh. Pour me passer le monsieur. Que ce que je dis, que la vidéo est partie chez le mari de Flora, que je défends trop Flora. Mmh. Et j'ai dit, OK. Bien sûr, là, on m'appelle. Voilà le monsieur qui me parle. Mon cœur a commencé à sauter. Il dit, madame, bonjour. J'ai dit, bonjour. Il dit, oui. C'est vous la Togolaise? Je dis, oui. Il dit, madame, vous m'avez insulté dans vos vidéos pour supporter Flora, que c'est moi qui ai contaminé Flora. Il dit, oui, monsieur, je suis femme. Je suis femme. Je ne veux pas accepter que mon mari me contamine et me laisse tomber. Donc, du coup, j'ai sensibilisé ma communauté avec les vidéos de Flora. Quand j'étais dans son live, j'ai résisté tout. Puisqu'elle n'a pas dévoilé qu'elle a la maladie, mais c'est son assistante sociale qui appelait et s'est tombée de sa bouche. J'ai tout. Donc, c'est moi qui ai publié la vidéo. Je ne cherche pas d'abonnés ni de vues. Non. Il y a un compte de 288 000 abonnés. Je suis suivi. Arrivé en Europe, on m'a demandé le code. J'ai oublié. Mais quand il y a des situations, je partage pour sensibiliser. Flora n'est pas la première personne que j'ai publiée sur maladie. La dame qui a de code dans le ventre. Je ne sais pas si tu la connais, le monde. Non. Il y a une dame qui a une code dans le ventre, non? Et elle change de liquide chaque jour. D'accord. Va la voir. C'est une blanche. C'est une blanche. C'est une africaine. Ah non, je connais, je la connais pas. S'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. La dame, elle met la corde dans le ventre. Et elle change son pipi parce qu'elle ne veut pas uriner. Elle a un problème de rein. D'accord. Si les gens la connaissent, ils vont écrire ça son nom dans son. Dans, oui, aux États-Unis. D'accord. La dame, là, j'ai parlé d'elle aussi sur ma page. Donc, je dis, allez la soutenir. Mmh. Flora n'est pas la seule. Vous voyez, tapotez, s'il vous plaît. Maintenant, le mari me contacte. Elle me dit tout jusqu'à me dire de faire appel vidéo. Il va me montrer tout. Que Flora ne connaît rien de lui parce qu'ils ne sont pas restés ensemble. Flora est chez elle. Que lui, il est chez lui. Comment est-ce que j'ai dit le nom de la copine de Flora tout à l'heure? Et Flora demande pardon à ce monsieur pour le prendre avec lui. Quand le monsieur a refusé, Flora menace le monsieur que d'attendre pour voir comment elle va le détruire sur les réseaux sociaux. Mmh. Quand j'ai écouté ça, je suis choqué. Le mari, la maladie que le mari a, disons même que c'est grave encore parce que le mari est à l'hôpital maintenant avec greffe de rein. Et le diabète. Ah bon? Donc la dernière fois que Flora est partie là-bas, le mari, on lui a mis des médicaments, le mari voulait se lever, le mari est tombé. C'est ça, Flora disait dans ses lives que j'ai tous les photos quand tu chiais. Je vais te publier, je vais te montrer. Le monsieur n'a pas chié. Le monsieur est tombé parce qu'on lui a fait greffe de rein et le truc se déplace, mais ça fait quelque chose. Quand le monsieur m'a appelé, j'ai eu honte que j'ai trop défendu Flora. Le monsieur qui est parti me passe. Le monsieur encore me dit qu'il n'a pas le VIH. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Que le monsieur n'a pas cette maladie, que je défends trop l'indéfendable. Donc hier, quand Flora a fait pardon, j'ai enregistré, je suis venu publier. Que s'il vous plaît, ma communauté, Flora demande pardon à tout le monde. C'était ma dernière vidéo, si vous allez voir. Après, j'ai publié la photo, la vidéo de coach à mon chic. À cause de Flora, cette semaine, je n'ai pas servi des astuces à mes abonnés, mes comédies, mes trucs un peu que je publie. J'ai pris ça en main parce qu'on est des femmes. Mm-hmm. Un homme ne peut pas me contaminer, fuir. Nous tous, ça, on a vipatisé un homme un jour. Moi, je suis venu sur les réseaux, j'ai publié mon ex. Parce qu'il a menti, il a dit des trucs. Mais après, les mamans sur le TikTok m'ont dit, calme-toi ma fille, tu es belle. Tu vas trouver un autre homme. Je me suis calmé ma soeur. Mais Flora, tout le monde dit, calme-toi, non. Et moi, avec ma longue bouche, je la défends bec. Je fais vidéo, je m'assois sur la vidéo. Je fais 4 heures de temps pour monter la vidéo. Je ne fais pas des vidéos simples. Je vais prendre la vidéo de Flora, parler dessus, monter, coller, écrire des trucs. Ah, collage, ça fatigue, hein. Collage, ça fatigue la tête, le cerveau. Deux jours sans manger toute la journée. Pour sensibiliser, je suis payé. Je ne suis pas payé, ma soeur. Je te défends maintenant, je publie ta dernière vidéo pour dénoncer que le monsieur n'a pas la maladie. C'est vrai, la vidéo de sensibilisation que la maladie existe, mais la partie où j'ai insulté le monsieur n'a pas la maladie. Flora envoie maintenant ses abonnés de signaler la vidéo jusqu'à ils ont commencé. Et on m'appelle depuis la Suisse maintenant, le monsieur qui est parti, qu'ils ont dit de signaler. Ses abonnés me disent qu'ils ont dit de signaler. C'est là maintenant, j'ai mis la vidéo maintenant sur privé. Mm-hmm. Flora, on peut faire ça? C'est moi qui t'ai défendu partout. Mais je demande motion. Ma soeur aimée Delors, vous êtes sûr? Je peux te tutoyer, non, ma soeur? Non, tutoie-moi, on est tu es sûr que c'est le mari de Flora qui t'a appelé? Attends.
Je vais jouer au jeu ou bien quoi ou bien non, quoi. Non, non, ma soeur, nous, on va pas rentrer dans les trucs oui, comme ça. Non, je te pose la question. Faut pas que ça soit quelqu'un d'autre aussi qui t'appelle, qui se joue le mari de Flora, quoi. Il y a quelqu'un d'autre. D'accord. J'ai même sa photo. Si tu le connais, j'envoie sa photo. Je connais pas où. Ah, ça, on m'a dit ça. Faut même pas, ma soeur, garde tout ça pour toi. Non, faut même pas, voilà. Faut même pas envoyer ça ici. Je vais envoyer ça ici, mais je peux te montrer que je ne mens pas. Oui, oui, oui. Mais faut pas montrer ici, s'il te plaît. Voilà, faut pas montrer ici. Si je veux vraiment ça, si je veux vraiment voir, je rentre à ton privé. Faut pas montrer ça ici. Faut pas faire comme elle. C'est ce que je, voilà, nous, on va éviter. Faut pas faire comme elle. Faut pas, voilà. Donc, tous les audios que Flora a fait écouter comme quoi elle et le monsieur sont tous en contact. C'est les anciens audios. Oui. D'accord. Oui. Parce qu'en même temps, quand elle jouait les audios là-bas, le monsieur qui est parti ensuite à l'hôpital est dans le live avec un faux compte. Et me dit en même temps, le monsieur m'appelle que d'écouter que Flora joue l'audio alors que lui est à côté du mari. Le monsieur, le mari ne dit pas non, je t'aime, c'est les anciens, tout ce truc. Maintenant, le mari l'a appelé, maintenant, c'est là, elle a mis ça sur silencieux. Oui, parce que je la voyais en ligne où elle jouait les audios, que le monsieur dit je t'aime toujours et autres. Et au même moment, après, moi, je suis partie et suis revenue, j'ai vu qu'il n'y a plus de son. Et voilà. Après, les abonnés commencent à dire, Flora, tu nous as oublié parce qu'on n'attend plus là. Pourquoi tu écoutes toi seule? Donc, ça veut dire, comme on l'a appelé pour dire, arrête de mentir, c'est là qu'elle a coupé le son. Oui. Tu vois, donc, le monsieur, je ne suis même pas en contact direct.